Les amis, c'est une nouvelle vidéo sur les 3 ampoules. C'est un achat de 3 ampoules que j'ai fait aujourd'hui. Alors celui-là, il s'agit d'une ampoule de marque U. Voilà. De 8 watts, 800... De 8 watts, égale 40 watts en incandescence, économie d'énergie. Durée de vie 6 ans. Donc comme dit, durée de vie 16 ans, à raison de 2 à 7 heures par jour, ça dépend du modèle d'ampoule. Donc voilà, bon, pour lire, bon, c'est un peu effacé, choisissez la puissance dans son ampoule en venant au serveur maximal, blablabla, garantie de qualité et de sécurité pour les conformes normes françaises NF, ni sur contacteur électronique, ne pas utiliser cette température inférieure à moins 10 degrés, utilise 4 fois moins d'électricité qu'une lampe à incandescence, flux lumineux conforme à la norme, IE C969 par rapport à une lampe classique, durée de vie 1000 heures. Par rapport à une lampe classique qui a une durée de vie de 1000 heures. Tout à fait lumineux similaire. Voilà. Donc, c'est une économie d'énergie 8 watts à vis E14. Qualité U. Donc, ça, c'est une ampoule ancienne. C'est pas une des ampoules d'aujourd'hui parce que ça, c'est une ampoule ancienne. Ces ampoules-là, ils n'en fabriquent plus. Je sais pas si vous voyez là, c'est écrit. Attends. Bon, ça se voit à peine, hein, je sais pas. On peut tourner l'ampoule là-dedans ou pas. Voilà. C'est écrit Made in Poland. C'est une ampoule qui vendait encore il y a 2 ans. Ou 10. 2 ans ou 4 ans. Aujourd'hui, ils vendent plus. Ils vendent que des ampoules, bon, entre guillemets, des lampes chinoises, c'est un peu moins cher, mais c'est pas vraiment les meilleurs, voilà, pour ce qui est d'éviter de changer chaque mois ou chaque année. Cette ampoule, elle est ancienne, la preuve, c'est la date, je sais pas, là c'est écrit là-dedans, là, juin 2008, ça fait, cette ampoule elle a 10 ans, donc elle n'est pas nouvelle, elle n'est pas récente. Ouais. Encore un achat, une lampe Osram. J'ai acheté une quincaillerie celui-là. Pour pas trop cher, disons 5,50. En tout cas, elle est moins chère que ceux qui sont dans les supermarchés. Les supermarchés, ils vendent encore des comme ça. Mais ça vaut. Ils vendent ça à 9, 12 euros. C'est cher. Hein. Alors la quincaillerie, j'ai eu pour 5,50. 5,50, c'est un peu cher pour ce que c'est, mais c'est moins que dans un supermarché. Une Osram du Luxstar. 11 watts. Blanchot, Lumilux Warm White, et je suis en train de lire là, Warm White, 600 lumens, 220, 140 watts, 27, 50, 60 Hz, 11 watts égale à 60 watts à une incandescence, 80% économie d'énergie. Alors, Energy Saver, je suis fatigué, ça tient, je suis en train de tenir la tablette là, c'est fatigue, il pose la lampe. Energy Saver, durée de vie 6 ans en raison de 2,7 heures par jour environ. Après les autres, c'est un autre langage. Energy Saver, donc ça c'est pas mettre à la poubelle, ne pas mettre sur le variateur et ne pas tenir l'ampoule n'importe comment. Ne pas tenir pas les tubes quand on met l'ampoule en marche. Donc, c'est une Diluctar Osram, 6 ans. Cette ampoule peut remplacer 6 ampoules. 6 ampoules à code d'essence avec classe énergétique A. Bon, numéro 1, ça veut dire que c'était la seule qui vendait dans la quincaillerie. 600 lumens. Fabriqué en République populaire chinoise. Ça veut dire que c'est fait à Hong Kong, en Chine. Ben après, les codes, je sais pas trop ce que ça veut dire. CE, ça veut dire qu'ils sont recyclables. Je vais l'ouvrir. Regardez un peu. Voilà. C'est une... Ouais, c'est écrit également comme sur le paquet.
comme ça la boîte, c'est écrit Osram Deluxe, 11 watts, 827. 827, ça veut dire blanc chaud, c'est un indice de rendu de couleur. Ouais, etc. Ça, c'est une 3U. Avec une sorte de petits bouts de plastique là pour caler entre les tubes en forme de U. C'est du 27. Voilà. Voilà à quoi ressemble le produit. Et là, son carton pour mettre autour du tube. Comme ça. Et aussi, le troisième achat, c'est Philips Ecotone. Allotone. C'est drôle, hein. C'est un peu bizarre, je trouve, hein, ce que ça veut dire, Allotone. C'est une ampoule en forme de. Un peu comme les formes de vapeur de mercure. Sauf que celui-là, c'est une plus petite, beaucoup plus petite même. Celui-là est en forme de. Je sais pas comment on appelle ça. De citron. Je pourrais dire en forme de citron. Parce que je trouve qu'elle a une forme de citron. Voilà. Une Philips Ecotone. À l'automne, j'arrive pas. Alors, lumière pure et brillante, idéale pour la lecture et les travaux minutieux. Luzcla ambiente, idéal para lectura y entendimiento. Voilà le prix. Alors, c'est le dernier également. 100 watts. Effet 100 watts, ce n'est pas égal à 100 watts, je crois. Une baïonnette, comme vous pouvez voir. Voilà les images et le logo. Ça veut pas dire grand chose, hein. Normalement, c'est pas pour les. Pas vraiment pour les lampes de chevet comme ça, ou pour éclairer le plafond. Ça, c'est également un chiffre 1, ça veut dire que c'est la seule ampoule. Bon, c'est écrit comme de l'autre côté, c'est-à-dire le vôtre. Vous procure. C'est écrit là. Vous procure une lumière naturelle, vive, pure et brillante. Plus de lumière pour lire, travailler, coudre, et manger et cuisiner. Un laptop sur les touilles standard et utilisable sur variateur dure deux fois plus longtemps qu'une ampoule ordinaire. Ne pas dépasser la puissance maximum indiquée sur votre luminaire. Sinon, le luminaire peut fondre. Ou brûler, je sais pas. Recyclable. Voilà l'ampoule, modèle dessus. Après, vous voyez flou l'ampoule parce qu'il y a de la poussière dessus. C'est de la poussière qui est un peu collée sur le plastique hein, de l'emballage. Ça veut dire que ça fait longtemps que la poussière est tombée dessus. Ça veut dire que cette ampoule elle date aussi de plusieurs années. Hein. Alors, c'est une halogène. Aujourd'hui, depuis le début du mois septembre, là, ils vendent plus des ampoules comme ça. Hein. C'est des halogènes, ils vendent plus du tout. En fait, ils en vendent encore dans le magasin, j'ai remarqué, mais ils en vendent moins. Et comme les lampes à code d'essence, ils vont finir par disparaître des rayons. Voilà. Mais ça, c'est quoi qu'on a vu, c'est pas au magasin que j'ai acheté ça, c'est une quincaillerie. Donc c'est en poule d'avoir plus de 10 ans. C'est en poule d'avoir plus de 10 ans. Comme cette ampoule-là. La SRAM, j'en sais rien. Je crois que comme on a vu, cette SRAM est un peu plus récente. Mais... Voilà, c'est tout simplement ça. Alors, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé et de commenter. Merci.